Bonsoir et bienvenue pour ce bulletin nouvelle. Par l'habitude, nous commençons avec bonne grande titre. La Cour suprême est formellement sa 6 suspects, donc sa 50 millions de dollars qui l'Émirat arabe uni a donné Cécile en 2002 et qui a disparu. La Cour d'appel a rendu jugement de l'arrest Banca qui est resté devant la Cour pour Salonais. Ziz Anthony Fernando a aussi donné bilan Banca qui passe devant la Cour d'appel pendant l'année entière. Le ministre de la Santé pour continuer à administrer premier, deuxième et troisième dose vaccin contre COVID-19 pour Banner Dimon par la hausse de 12 ans après qu'il recevra un deuxième lot vaccin Pfizer-BioNTech avec le gouvernement de l'Amérique en bas programme COVAX. Nous passons à présent le bon détail. Sa 6 Dimon qui gagne arrêté en connexion avec disparition sa 50 millions de dollars, gagne sa zé aujourd'hui. Zotingan a acquisé pour 22 sas liés avec corruption officielle et que ben, si sas l'azan. 3. Sabana Dimoun est capable de gagner la le caution si zotin satisfait bonnes conditions qu'il a cour in imposé. Ça est un cas exceptionnel et historique et qui implique Dimoun prominent de la société et aussi l'azan public. Alors, c'est celui-ci qui prend une décision pour nom zotin ça pendant les temps que zotin gagne sasé aujourd'hui. Donc, ça qui peut gagner voir comme un cas historique ici, Cécile, côté ban aux officiers gouvernement, ils gagnent emmené en cours comme un suspect pour blanchissage, l'argent et corruption dans le gouvernement. Aujourd'hui, tous les 6 suspects qui ont gagné arrêté en connexion avec disparition sa 50 millions de dollars américains qui Émirats Arabes Unis donne Cécile en 2002, ils repassent en cours devant Sevziz, la Cour suprême, Ronnie Govinden. Bon matin, Zotip. Passe devant Ziz, chacun son tour, et les Ziz tirent son décision plus tard, zotou ensemble. Premier accusé, businessman renommé Mukesh Valabji. Parmi Bansaz, contre lui, il corruption officielle et complot pour faire corruption officielle, blanchissage d'argent et complot pour faire blanchissage d'argent, voler l'état de service public, voler l'état de directeur l'accompagnant et pour casser de propriété. Il y a une allégation comme quoi qui t'y prend sa 50 millions de dollars qui Émirat Arabes Unis t'y donne cessé en 2002, l'argent qui s'est supposé à dans compte SMB, ça l'accompagnait qui aujourd'hui ISTC, l'IT Managing Director. D'après Commission Anticorruption et CCS qui n'amène sa cas en cours, l'enquête il montrait que ça l'argent t'y plutôt gagne transfert d'un autre compte et qui ça acquisé une service à l'argent pour acheter l'hôtel à travers la compagnie paraétatique Compagnie Seychellois pour la promotion hôtelière Cospro, qui après une revente et met ça l'argent dans différents comptes à l'étranger. Imse Valabji peut continuer à être détenu à cause des insuspects dans sa lot de possession d'armes illégales. Deuxième accusé, Laura, Madame Mukesh Valabji, y en a des sas contre lui, blanchissage l'argent et cassier de propriété. Allégation contre lui et qui en a plusieurs l'accompagnait en bas son responsabilité et SCCS dit avec son connaissance légale comment un avocat est au courant d'une transaction qui son mari peut faire. Lui aussi, il peut continuer à être détenu comment un suspect dans sa cas possession d'armes illégales. Troisième accusé, Leslie Benoiton, un haut officier de la force défense Seychelles. Parmi ces contre lui, il corruption officielle, blanchissage d'argent, volé dans service public et cassier de propriété. Allégation contre lui, c'est qu'il a gagné 100 000 dollars en septembre 2004 avec M. Valabji, un somme qui était supposé sortir dans sa 50 millions de dollars. Et allégation, c'est qu'il a officier qui servit à l'argent pour acheter une certaine quantité de sabanzam qui a découvert côté de la case sa coupe Valabji. Lui aussi peut continuer à gagner détenu comme un suspect dans sa cas possession d'armes illégales. Quatrième accusé pour Gan Issaazé, Ti Sarah Zakani René, madame ancien président France Albert René, parmi Bansaz contre lui, il blanchissage l'argent, complot pour faire blanchissage l'argent et pour casser de propriété. Allégation contre lui, il quitte en 4 transferts l'argent le son contre l'Australie par Mukesh Valabji pour un valet un petit peu plus qui 700 000 dollars, l'argent présumé sorti dans sa 50 millions de dollars, l'argent transfert en
entre janvier 2007 et novembre 2010. L'autre allégation, ils sont connexion avec ancien président René qui prosecution il dit est fortement impliqué dans disparition sa 50 millions de dollars. Dans la fouille côté son la cour, plusieurs documents qui gagnent voix qui démontrent l'implication son mari dans disparition sa 50 millions de dollars. C'est un document qui montrait son lien business avec Imsie et Madame Valabji et il jouait un rôle instrumental dans la création plaisir l'accompagnait et qui n'a servi pour détourner Nazan sorti dans sa 50 millions de dollars. Ziz Govinden il maintenait sa caution des millions de dollars cash qui besoin payer pour les capables gagner la guerre et il renforce sa dégarantie par des citoyens Cécile qui avant 500 000 roupies chacun ça in à présent augmenté pour 1 million dollars chacun. Cinquième accusé Maurice Lustolalan est ancien haut officier gouvernement il tient directeur Cospro. Saz Kondli et corruption officielle complot pour faire blanchir Saz Lazan et voler comme directeur la compagnie. Allégation contre monsieur Lusto Lalan, il y en a pour faire avec son position contre la compagnie Cospro Saletan et CCSI dit qui en a l'évidence pourquoi qu'il facilite transaction monsieur Valabji avec une portion sa 50 millions de dollars pour acheter sa trois l'hôtel Cospro, sa Fisherman's Cove, Barbaron Beach Hotel et Belombre Development Company. Monsieur Lusto Lalan capable de gagner la caution l'étant il paye sa 250 000 roupies qui zise inordonné et il gagne garantie par des dimons qui saken y mette 100 000 roupies. Sixième accusé, Le Canard, un ancien haut officier gouvernement, parmi Bansaz Kondli, y corruption officielle et complot pour faire corruption officielle, aider et faciliter des mouns volés dans le service public. Allégation Kondli, y qui y signé pour transférer sa 50 millions de dollars d'un compte qui pas même compte qui est SMB qui normalement servi pour son bonne transaction. L'État qui passe en cours après qu'il t'y gagne arrêté, son avocat Basil Waro qui produit certains documents qui montrait qu'ils sont clients une route l'approbation nécessaire avec ministre finance à travers secrétaire principal Salitan avant qu'il sa transfère tigan fait itin déjà il a gagné le caution et ziz ordine maintenir sa bonne même condition pour faire rappel ici un bond 50 000 roupies. En général, les autres conditions caution, il pas quitte pays sans permission la cour, remettre passeport et les autres documents voyage avec la cour, rapport code garde, les et ou spécifiques qui la cour in ordonné et pas interfère avec l'enquête et témoin. Tous les six accusés pourraient passer en cour le 30 décembre, même jour qu'il a cour pour aussi écouter sa l'autre cas possession d'armes illégales. Mais entre-temps, d'après la commission anti-corruption, l'enquête dans sa cas il continue. La cour d'appel, il nous a dit rendissement le bon cas qui est resté devant lui pour salonner. Avant session qui commençait bon matin, président la cour d'appel, Ziz Anthony Fernando, qui fait une présentation et donne un bilan le travail que la cour d'appel il fait pour Dilolané en entier. Les qui fait son présentation bon matin, Ziz Anthony Fernando, qui dit qu'il publie qu'il est droit pour ceux qui connaissent qui manque bon cas et mette le la liste pour écouter les qui en retard et à cause qui perd en retard. Il dit qu'il bon cas gagne écouter d'après l'ordre qu'ils ont gagne faire devant la cour excepté de bon cas qui besoin gagne écouter bonnet en vue de l'importance nationale. Il dit qu'ils ont aussi donne préférence bon cas constitutionnel et bon cas criminel côté bon condamné peut faire appel de prison. Il dit qu'il tout de même aucune partie des carabelles est capable faire l'application qui son cas gagne écouter d'une façon isan et là sa cas capable gagne écouter sans qu'il besoin espère son tour la liste. We judges and lawyers should always bear in mind that parties to an appeal anxiously await the outcome of cases. We should not be insensitive to the feelings of others. After all, we are all paid for our work, save in a few instances where lawyers act pro bono. Wealth without work, knowledge without character and principles are two of the seven deadly social sins inscribed on the tomb of Mahatma Gandhi. It is very important that justices assigned to hear the appeals commence to familiarize themselves with the briefs no sooner they are received by them.
We need the assistance of counsel appearing for both parties in this regard in providing us with the written submissions as soon as possible. The Seychelles Court of Appeal rules do set out the timetable for filing of written submissions, but often this is in breach and written submissions are filed on the day before the hearing. Ziz Fernando nous aussi donné un bilan le bon cas qui la Cour d'appel inécouté salonné. During the year 2021, I am happy to place on record that we have resolved 126 civil, constitutional and criminal cases, which I believe is a record, taking into consideration the COVID-19 pandemic and the many other challenges the court and I personally had to cope up with. This, in my view, is a good disposal rate of appeal cases for any Commonwealth jurisdiction, and for that matter, any other country. I shall now give you the breakdown of the 126 cases that were disposed of this year. We have disposed of altogether 92 civil cases, which is inclusive of 6 constitutional cases. And I'll give you the breakdown of the civil cases disposed of. Judgments in civil cases, we have given 50 judgments. Consent judgments, 2. Civil cases withdrawn, 18. Rulings in civil miscellaneous applications, 16. Then judgments in constitutional cases, 5. And constitutional cases withdrawn, 1. We have also disposed of altogether 34 criminal cases. Judgments in criminal cases, that is the 34, consists of judgments, 6 judgments, 25 withdrawals, and 3 rulings in criminal miscellaneous applications. En tout, il y en a 20 cas devant la cour et là-dedans, il y en a qui appliquant et n'ont retiré avant qu'ils aient écouté la majorité des cas qui passent devant la cour d'appel bon matin, quand il y a dismiss, veut dire que la cour d'appel maintenait une décision qui bon la cour auparavant. T'in prend. Parmi bon cas qui passent devant la cour d'appel aujourd'hui, il est cas criminel, côté N, là-dedans, il essaye pour vol en servant d'armes et l'attaque indimon avec l'intention pour voler, côté sentence Nelson Flor, il est maintenu pour 14 ans. Il aussi y a un autre condamné qui ne fait rappel son sentence, ça y JL, qui a commis de l'attaque sexuelle, ou une fille qui a 8 ans à l'étang, et qui lui aussi son sentence 14 ans en prison, il va y maintenir. Les autres cas qui passent devant la cour d'appel aujourd'hui, c'est un cas civil, contre la majorité là-dedans, la cour une dismiss et maintenir les jugements qui a donné auparavant. Il y en a certains cas qui rappellent un succès. Un parmi ça qui Dorine Monti tin amené contre gouvernement Cécile côté en novembre 2016 gouvernement tin passé bail 60 ans le bout de la terre qui tin descendait bâtiment Lola et qui madame Monti tin fini faire l'application pour faire ce bâtiment venir sorte de quai. En février 2017 gouvernement s'écrit madame Monti pour informer lui qu'ils ont pété termine ça l'agrément bail à cause zot besoin ça l'endroit pour servir pour un besoin militaire et qu'ils ont pour donner les compensations pour travail qu'il fait de sa propriété. En juin 2019, un juge a donné une décision en faveur du gouvernement et déclaré que Mme Monti a sa propriété illégalement et donne l'ordre pour lui quitter sa propriété. Et il dismiss clam que Mme Monti a amené dans son défense, même si l'évidence a montré que 40 enfants ont fini enregistrés pour commencer à servir sa sorte de quai en janvier 2017. La cour d'appel une fois qui s'abat et qui terminé en mauvaise foi le la part gouvernement et une considère perte et dommage qui madame Monti in sibi. Alors la cour d'appel une donne l'ordre pour gouvernement payer madame Monti un total un petit peu plus qui 3.3 millions roupies en forme compensation. Et la quantité de cas qui passe devant la cour d'appel bon matin c'est 17 cas et non pas 20 cas. C'est Céline recevoir son deuxième le vaccin Pfizer-BioNTech avec le gouvernement l'Amérique. Ça, on va programme COVAX, programme vaccination contre COVID-19 pour un pays d'Afrique. Ça, 39 807 doses qui arrivent dans le pays bon matin et pour permettre le ministère de la Santé continuer à administrer première, deuxième et troisième dose vaccin contre COVID-19 pour un monde par là-haut 12 ans.
Tiabor Vol Emirates, qui sa deuxième lot vaccin Pfizer-BioNTech, qui arrive dans le pays vers 6h50 au matin. Sa 39 807 doses vaccins, il y a une donation sortie contre le gouvernement américain en bas programme COVAX, programme vaccination contre COVID-19 de bon pays l'Afrique, pour aider Cécile avec son campagne vaccination. Cet échange d'affaires sorti l'ambassade américaine Jude Debarry, qui tire mettre sa lot avec chef exécutif l'agence soins de la santé docteur Daniel Louange. We are very pleased to bring these to you as a demonstration of our commitment to the people of Seychelles and to the United States commitment to be the arsenal of vaccine donations to the African continent and throughout the world. So we're delivering on our promise to serve as the arsenal of the vaccine donation. And Dr. Louange, I think you would agree with me that safe and effective vaccines are the best way to control this pandemic. De son côté, Dr. Louange dit que sa deuxième lot est capable d'administrer la santé, continuer à vacciner la population, qu'il y a encore resté plus que 50 000 personnes qui n'ont pas encore gagné une troisième dose et il y en a qui même pas encore prendre une première dose. Nous avons 20 000 personnes, à peu près un petit peu plus que 20 000 personnes qui ont prendre notre troisième dose. So, nous avons plus de 50 000 qui peuvent encore prendre notre troisième dose. Nous avons des enfants, des adolescents, c'est tout, qui peuvent encore prendre notre vaccin. Et il y en a des qui peuvent encore finir prendre notre seconde dose, Pfizer. Après aussi, nous avons des gens qui peuvent encore prendre le vaccin du tout, même si nos femmes, bien Sputnik, Covishield, et nous les encourageons, des gens qui peuvent encore prendre le vaccin aussi, viennent devant. Mais aussi, il y a un autre groupe aussi qui a une demande pour des gens qui les prennent une deuxième dose Pfizer. Et ça, nous travaillons un plan qui m'aide nous pour enrôler ça. Mais nos priorités pour le moment, là, c'est sa troisième dose vaccin. Mais c'est moi aussi capable de faire sortir que sa première batch vaccin que nous gagnons, nous servit tout. Et n'a pas, sauf à qui nous gagne rapporté, endommagé ou bien qui n'expire. Docteur Louange dit qu'ils ont déjà commencé conversation pour gagner encore plus de doses vaccins Pfizer, dépend de la quantité du monde qui demande. Il dit qu'ils ont remobilisé ben l'équipe des officiers de la santé pour capable d'un vaccin contre ben centre régional. Il dit que d'après dernière information, à part 39 000 doses Pfizer qui se sont fait recevoir, ministère aussi en a à peu près 40 000 doses vaccins Sinopharm qui dit qu'ils sont encore capables de venir prendre pour une troisième dose. Mais la ville, David André, ici l'accord pour un programme l'essence Zimlaz entre la ville Victoria et la ville Rostov-on-Don, qui est trouvée dans sud-ouest la Russie. Ça signe un titre qui fait beau matin de présence d'une délégation russe et un groupe aux officiers gouvernement Cécile côté bureau mais la ville. Rostov-on-Don, de sud-ouest la Russie, est la ville avec plus de 1,1 million d'habitants et bordée avec la mer Noire. Zimlaz entre la ville et Victoria. Il y a un qui pour plus ou moins de domaines industriels, culturels et commerciaux. C'était député en charge de l'administration de la ville Rostov-on-Don, Yuri Ovchinnikov, qui est ici l'accord ensemble avec la ville Victoria, David André. Monsieur André, il dit que ça l'accord est capable d'aider à mettre plus de touristes sortir la Russie ici. Dans notre faire ça l'agrément, ben du monde pour commencer cause le Cécile, pour commencer cause le Victoria, qui manque quelque chose pour faire, sont définitivement on a beaucoup plus visiteurs qui pour venir et ça il pour aider nous. Et l'autre côté, aussi ça qui nous a bénéficié. Nous avons bénéficié de certaines quelque chose au niveau culturel, au niveau de l'éducation, que nous disons que nous sommes là-bas, partager certaines quelque chose, apprendre certaines quelque chose, gagner certaines connaissances et voir comment les autres fonctionnaires qui m'ont aidé à donner nous certaines connaissances pour nous faire quelque chose mieux dans nos pays. Zimlaz avec ben les autres de la ville, pas quelque chose de nouveau pour Cécile. Dans le passé, nous avons plus de l'accord qui nous signe. Mais qui bénéficie de l'accord qui nous La Chine est un bon pays à travers un bon programme de Zimlaz qui nous donne, qui nous fait cesser le cadeau beaucoup quelque chose. Beaucoup de l'équipement, de masques, de quelque chose qui aide la population pour capable de manier sa pandémie. Et à travers la ville, nous avons un équipement qui nous donne dans la communauté, dans l'école, au ministère de la Santé. Et par exemple, avec la ville La Possession, La Réunion, il y a un bon travail qui nous fait au niveau de l'environnement.
Il y a quelque chose d'intéressant qui peut être fait avec LWMA pour travailler dans le programme de gestion saleté. Soit il y a quelque chose qui nous fait, et il y a les autres quelque chose aussi qui nous gagne au niveau culturel avec les autres pays. Définitivement, oui, il y a quelque chose de positif qui peut arriver. Sa signature la cause Imlaz se termine avec un licence cadeau entre les deux côtés. Et justement, sa délégation RIST fait une visite côté la police, département de la police, côté donne sa la force, et 51 brutalizer et kit pour tester drogue. Et deux nations que la police dit tombe bien avec sa moment festivité et les autres campagnes arrive alive. Sa cérémonie qui déroule côté Côte Garde centrale. C'était l'ambassadeuris pour Cécile, accompagné par sa délégation sortie la ville Rostov-on-Don, la Russie, qui tirait mettre sa donation la pompe, qui mesait niveau l'alcool et que l'équipement qui testait drogue avec commissionnaire la police. Sa donation, ils font pas plusieurs licences que la ville peut envisager faire avec Cécile, avec Bi et Cécile rester une destination touristique qui en sécurité. Since April, as far as I know, and that's according to the National Bureau of Statistics, more than 27,000 Russians came to Seychelles. As ambassador of my country here, I'm very interested in Seychelles being a stable and safe place for our tourists. We know that Seychelles has always been very friendly to us, and the relations between our countries were warm and cordial. At every stage, we enjoy a visa-free regime, and I hope that will encourage more and more people to go both ways, to visit the resorts of Russia and Seychelles. We have a lot of tourism opportunities in Russia as well. But as I said, we really hope that this kind of donation will make Seychelles a safer place, especially when it comes to road safety. Là que la police a intensifié son présence au CME à travers son campagne Arrive Alive, commissionnaire Ted Barbier indique sa donation y avait aidé Bangard plus bien faire son travail. Les casamens, ah c'est ça bon quelque chose. Dans l'équipe moi comme gagne ou point. Et of course nous pouvons équipe police garde avec breathalyzers. À cause nous pouvons police là, ils nous augmentent un petit peu, nous avons des années de trois et nous gagnons encore une donation comme ça. Pour une rencontre, nous avons Alain Ladigo aussi, qui a pris pour Alain Soulet, qui vous servit le breathalyzer. Nous, quand on transporte, nous partageons pour Alain partout et partout, les bonnes régions, les bonnes districts. Dans sa délégation, il y a aussi un bon officier de la police russe qui peut visiter la police Cécile. Et toujours dans le cadre de sa programme, l'essence entre la ville Rostov-on-Don et Victoria, la police Cécile aussi pour un sens à faire une visite la Russie. Et sa délégation sortit la ville Rostov-on-Don, la Russie, qui a après rencontré le comité des affaires internationales dans l'Assemblée, dirigée par MNE Grand Tons Mae, Wevan William. Les deux côtés, une discute potentielle pour renforcer les sens parlementaires et que relations entre Parlement Cécile et que la Russie, et aussi pour participer de bon domaine, que les deux parlements y en ont l'intérêt en commun là-dedans, qui pour bénéficier Cécile. Et concernant sa campagne Arrive Alive, que la police peut faire, il en a plusieurs complaintes sorties côté membre public. Beaucoup indiquent que la police n'a pas le droit de faire la fouille dans le transport sans warrant. Mais député commissionnaire de la police, Ted Barbier, il dit que la loi il permet la police de faire ça. La police, il y a une section en bas, Criminal Procedure Code, CPC, section 15, qui autorise la police, qui donne sa parole à la police pour les arrêter et fouiller. Il n'y a aucun monde, aucun transport, aucun bateau qui est accueilli dans la mer pour détecter quelque chose d'illégal, pour chaque suspecté dans quelque chose d'illégal là-dedans. Et si il n'y a pas quelque chose d'illégal, nous remercions le conseiller de la route. Si il y a quelque chose d'illégal, nous avons besoin d'un petit entretien et éventuellement arrestation. Et si pendant une caisse, pour en faire, nous enregistrons une caisse. It is simple as that. Il y a une interaction. Après, nous guettons. Si tout le monde est OK, le semaine. Si tout le monde est OK, si tout le monde a fait 6 ans, ce que nous connaissons, nous avons enjoy en quantité. Nous pouvons donner un warning qui enjoy avec responsabilité.
Il y en a qui me peuvent dire, par exemple, si mon amour bouteille l'alcool, mon fait sortir la boutique, mon acheter, mon palmé de la caisson. Et peut-être aussi, si par exemple, mon camarade, nous peux boire un verre, une bouteille, je vais sans boire, pas fini, nous bousser, nous se mettre derrière. Qui met la police, il pense ça. Vous ne pouvez pas imaginer, hein? Si la police voit l'alcool avec un dimon dans l'auto, si tout signe déboussé, il résente ta suspicion là. Hein? Il résente ta suspicion. Nous ne pouvons pas dire que dans l'alcool qui déboussé ou dans l'auto, si tout devant, ou peut drive, etc. Là où pour éligible pour faire un test là. Il n'y a pas d'un qui en cassette. Hein? Il n'y a pas d'un qui en cassette. Sous les cornes, ou la constitution, la constitution pour dire. Si on a les ou les pêches, un petit peu le procédé dans le criminal procédure code pour expliquer. C'est ça, il n'y a pas d'un qui casse. Je crois qu'il y a l'internet, il y en a. Le disque à aller en basse, il y en a. Il est capable d'aller rôder pour un petit peu de doigt. Et ça, c'est le commissionnaire de la police, Ted Barbé, qui peut expliquer un peu la loi qui permet la police fouiller dans le transport public. Bibliothèque nationale il lance programme e-book learning lending service, un programme qui pour permettre public gagner accès avec bon livre à travers internet. Les officiers principaux bibliothèque nationale Anna Mary Robert il dit qu'il s'appose c'est pour permettre accès public avec bon matériel lecture. Lancement sa programme tu fait écoute centre lecture Roche-Caillement. I live in a world of see-through walls in a tank with a lockdown lid. I'm fed like a king 3 meals a day of lobster, shrimp and squid. Kyle Jeanvol y en parmi plusieurs enfants qui gagnent sens enregistré pour les capables quotidiens gagner accès avec livres qui habitaient vin prêter dans bibliothèque. Là pendant sa temps pandémie COVID-19, quelque chose il vin plus facile pour lire avec ben les autres du monde qui habitaient vin près de livres. Mon livre s'appelle Inky the Octopus, c'est basé loin, octopus qui tu as envie de sortir de tank. Faisant, tu as envie de sortir de sa tank qui te demande soudain. Soudain, soudain, facile. Faisant, tu sortis lui-même. Vous êtes capable de servir au téléphone, de placer ou de mettre une quantité de livres dans le sac. Qui m'a dit ça? Moi, c'est facile pour moi, à cause de ça, c'est facile, c'est sur le tableau là, ou le bon livre. C'est directeur pour Kilti, Julian Barra, qui lance sa site. Bibliothécaire principale, Bibliothèque nationale, Anne-Marie Robert, il dit que sa programme pour aider une grande majorité du monde qui compte en ligne, mais qui n'a pas vraiment gagné accès avec la bibliothèque. Ça, et même si en ce moment, Zone n'a pas sa grande quantité et variété de livres. This new service is part of the National Library's objectives and strategies in further facilitating access to reading materials to meet the different information needs of its users. And so, by embracing information and communication technology, the National Library is today able to provide this free e-book lending service to the public. Amongst the advantages provided by this new way of accessing digital content is access anywhere and anytime, as one can download selected books on a personal device and carry it around to read offline anytime. Bon, les autres du monde qui ont déjà enregistré dans sa posée, tu aussi partages certains extraits de livres. Pour bon du monde qui t'a voulu enregistrer dans sa posée e-book lending, vous êtes capable parce que centre lecture Roche-Caillement, Point de la Rue, Persévérance, Pralin, Côte-Son Descente, Bicentane et Grand-Tens, ainsi que la Digue. L'officier senior Bibliothèque nationale Christian Adeline y expliquait à cause qu'il y a un client qui a besoin d'enregistrer pour lui gagner accès avec sa programme. Il y a un système qui permet au client, comme si on avait une quantité autonomie, qu'il choisit son livre lui-même, qu'il a borrow, qu'il a rendu, qu'il a renouvelé. Once on enregistre la library, on n'a pas besoin de venir encore à la library pour servir le système. Madame Adeline y a ajouté qu'il n'y a pas de vacances, les autres grands enfants qui viennent participer dans l'activité qui la bibliothèque y organise. Et ça, il fait par groupe. Les enfants, il faudrait gagner ce qui est meilleur dans le système que le ministère de l'Éducation peut créer.
Ça y message que ministre de l'Éducation, Justin Valentin, il termine sa année scolaire 2021. Ministre Valentin il dit que la pandémie COVID-19 amène beaucoup de défis dans le système de l'éducation. Côté enseignants et ministère, il sentit l'impact et de nouvelles façons innovatives pour enseigner et qui étudiants, il passe à travers beaucoup, mais ça pendant que les autres étudier et réussir. Ministre Valentin aussi, mais une bonne travailleuse et les amis son ministère qui ne perdent la vie avec la pandémie COVID-19. On nous allons dans vacances, dans tranquillité, mais avec une conscience qu'il est nous retourner en janvier, nous venons plus déterminés pour accomplir nos rêves et nos bonnes targets. Nous restons engagés pour diriger le ministère de l'Éducation d'une façon qui élève l'aspiration de tout le monde et faire que ce qui nous apprend est utile et vaut la peine. Nous retournons au CISE national, ça est CISE Moutia. Moutia ti à la une côte pavillon Cécile côte Dubai Expo 2020 groupe artistes musiciens et danseurs ti fait performance culturelle Moutia authentique hier soir en bas direction artistique Patrick Victor santé Jean-Marc Volsi Brian Matombe Jenny Letoudi ti parmi bonne qui ti fait sa performance nous propose autre extrait Célébration pour l'inscription Moutia comme un héritage culturel mondial UNESCO. Il continue, président Wevel Romkalawan et son madame Linda, il assiste cérémonie pour commémorer l'accomplissement historique qui peut faire côté musée d'histoire. Là, à soir, on nous suit un extrait de sa soirée. Mon mazine qui nous tout commence, c'est loi, comme un créole, tabou Moutia, il y a quelque chose qui fait résonner. Et l'autre quelque chose en dedans. Il y a une vibration qui vient avec son tambour. Alors c'est ça, tant de nous fier, tant de nous dire Moutia, et non seulement pour nous, mais et pour l'humanité en entier. Félicitations et on nous fait sauver tambour et on nous fait sa son résonner à travers nos pays et laisse-les et gagne nous les cœurs, laisse-les. Mettre la joie dans le cœur. Et oui, Moutia, il définitivement reprend son place comme un héritage culturel. Et c'est là aussi que nous terminons Bulletin Nouvelle. Alors, Smadjou, merci beaucoup pour suivre Bulletin.